Cette côte basse de Djerba, c'est sans doute ainsi qu'ils la découvrirent, les compagnons d'Ulysse, quand ils erraient sur des barques pareilles à celle-ci. Aujourd'hui, ces barques ne vont pas si loin. Elles se contentent d'une odyssée à moindre prix, venant de Sfax ou de Gabès, croisant sur ces hauts fonds, peuplés de pauvres équipages de pêcheurs d'éponges, identiques à ceux des mers océaniennes. Les fonds de Gabès étendent en effet des champs d'éponges exploités depuis la plus haute antiquité. Étendus de rochers où s'offrent à 15 mètres de profondeur, des végétations sans éclat balancées par une houle tiède. Un port sans importance à Jim donne accès à Djerba. Pas de bruit, pas de mouvement. À peine si l'arrivée d'une barque et la cargaison bigarrée y jette une animation vite éteinte. L'accueil de Djerba, c'est le silence. C'est dans cette paix incomparable, seulement troublée par le battoir rustique des laveuses de laine, que l'homme s'avance. Jeune garçon que son type et sa vêture désignent sûrement. C'est un jeune juif qui s'en va chercher fortune dans le vaste monde et qui, avant de partir, fait sa tournée d'adieu. Des maisons de tisserands à l'architecture si particulière qu'on les reconnaît à leur forme montent un bruit de bois heurté et une chanson de métier. Adieu tisserand, fils de tisserand, père de tisserand, dont la vie se rythme au claquement des pédales. Le bruit du dévidoir se perd dans les pas de personnages poussiéreux, cavaliers de petits ânes poussiéreux, unique animation de ces routes sans voiture. Adieu aussi aux potiers. Potiers et tisserands, ce sont les deux métiers de l'île. Il reste toujours un écho dans ces ateliers frais aux voûtes romaines, où ressurgit soudain des jarres gigantesques, le souvenir d'Ali Baba. Un paysage unique et sans variété coule jusqu'à Oumsouk, la capitale. C'est un marché rustique comme couvert d'un brouhaha tranquille. Le seul endroit de l'île où le silence ne fasse jamais escale. On peut saluer ici tous les villages de l'île. Car de ces immenses chapeaux tressés de feuilles de palmiers, chaque modèle désigne un bourg ou un hameau. Dans un coin du marché, le chapelier réserve une surprise. 3000 ans après l'Odyssée, il tresse encore cette coiffure étonnante, venue tout droit de la Grèce antique, le chapeau d'Hermès, le pétase, et qui porte ici toujours ce même nom. Autour, des fondouks ombreux peuplés d'ânes, des rues tranquilles, où chacun va à de petites affaires et à de menues besognes. Sentez-vous qu'on est loin du monde? Loin du monde, plus loin encore. Car Arak Bira, le grand quartier, renferme une communauté juive qui remonte, dit-on, à la construction du temple de Salomon. Ces murs croulants annoncent que la mort menace cette parcelle de Bible vivante, restée identique à ce qu'elle était au temps de Babylone.
monde étrange dont les chances de durer se réduisent jour à jour. Cet îlot racial, préservé dans sa pureté originelle, n'est déjà plus aujourd'hui que l'épave d'un monde englouti. Cependant, sans souci du temps qui passe, dans les 30 synagogues, l'étude du Talmud se continue comme voici 3000 ans. Cependant, dans leur bibliothèque close, les futurs rabbins reprennent-ils chaque jour les textes de la loi? Cependant, dans chaque sanctuaire, les écoliers avec une extraordinaire familiarité continuent-ils d'ouvrir pour le passant les rouleaux de la Torah? Il y a là, en dépit du temps qui menace ce monde immobile, comme un accent d'éternité. Derrière une porte amie, des bruits de fête. La jeune fiancée, cloîtrée depuis 2 mois, est aujourd'hui présentée aux femmes du village. Parée d'or comme une idole, elle subit, comme le veut la tradition, l'hommage d'admiration. Mais aucun regard d'homme ne doit effleurer ce visage avant le jour du mariage. Hors d'ici, malotru! Mais on ne quitte pas Djerba sans un salut à la Griba, le sanctuaire vénéré dont le caravansérail abrite 3 jours chaque année des milliers de pèlerins réunis autour de la légende d'une étrangère énigmatique et miraculeuse, la Griba, la solitaire. Ces jours-là, une procession familière conduit la Ménara, extraordinaire construction d'orfèvrerie, de tissus et de fleurs, à travers la campagne paisible. Une foule où tous les mondes se coudoient l'accompagne dans le bruit des prières et le chant des psaumes. Au retour dans le sanctuaire, la Ménara, objet par objet, est dépouillée de ses ornements. La foule se dispute ses pieuses reliques au plus offrant. Les enchères se croisent, les billets de banque volent, et cet argent servira à l'entretien de la Griba. Le long des murs, les cierges s'allument. Une piété puissante s'exprime avec de petites flammes. Et dans un coin retiré, les chapelains du sanctuaire continuent de psalmodier les Écritures. Étonnante réunion où l'on retrouve, sortie vivante du Livre Saint, les figures mêmes des prophètes. Alentour, les chants s'éteignent. La paix djerbienne regagne son inexprimable empire. Et devant telle scène aperçue, peut-on demander si nous ne sommes pas revenus 30 siècles en arrière? Moisson djerbienne si pauvre, si purement biblique.
Tout au plus, le battage met-il une note joyeuse dans cette insistante mélancolie. Adieu aux moissonneuses, si pareilles à celles du livre de Bose. Adieu à ce qui fut Gerba la biblique. Tout autour, plus pressante, cette idée de muette éternité si singulière que les anciens ont parlé de Gerba comme du pays de l'oubli. Seul, dans les vergers, l'infini gémissement des pluies continue à marquer la fuite d'heures qui n'ont ici ni durée ni valeur. Mais pour combien de temps? Combien d'années encore pourrons-nous dire en regardant Gerba? Aujourd'hui, il y a 3000 ans.